J'avais quand même envie de vous partager mon petit coup de cœur de l'actu du jour Paris Match. Avec une une. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Nicolas Sarkozy. Exactement, c'est exactement la même chose que Nicolas Sarkozy qui lui-même s'était inspiré de... Kennedy. Tout à fait, là, vous êtes très très bon. Il n'y a même pas de changement de packaging, quoi. C'est à Bologne, Paris Match. On dirait... Oui, on est d'accord. Et je pense que Laurence Ferrari est la patronne de la rédaction, si je me trompe. Absolument. Ouais. Elle lui a d'ailleurs posé une question sur la liberté d'expression. Ah. Tu l'as lu, toi ? Pas en entier, j'ai lu des extraits. Les bonnes feuilles, j'allais dire, mais non. Non, il n'y a pas de bonnes feuilles, non. Il se passe un truc un peu chelou sur la couverture que déjà a mis en feu Internet. C'est qu'il y a des bouquins posés ou en lévitation sur un autre bouquin un peu chelou. Ah, c'est bizarre. Donc on n'arrive pas à savoir s'ils l'ont posé là un peu à l'arrache, si c'est vraiment comme ça qu'il range son bureau. Je pense qu'il range comme ça et que c'est le signe d'un esprit malade. Mais tu crois pas que... C'est aussi une petite obsession, il faut absolument que tu aies ta photo Pléiade. Il faut qu'il y ait les Pléiades au fond de ta photo politique, la Pléiade, qui sont des ouvrages littéraires, une collection ça fait très belle. Chier,